Tiens, prends ça et je te mets un coup de mort. Eh les gars, on fait la course avec les morts, on fait la course à la mort. C'est non. N'importe quoi. Maman. Maman, un chou avec les morts. C'est de la merde. Il y arrivera jamais. Si tu dis Ah mais arrêtez, vas-y, c'est casse-couille là. Cette entreprise part en couille, je me casse. J'ai besoin que tu restes, tu auras une augmentation si tu restes. Ok, je reste. Donc Guinou, à ce que je sache, t'étais pour Boosters. Absolument. Et t'es content de ce que l'entreprise est devenue maintenant? Je m'en branle. Je me recasse. Je te réaugmente. Je re-reste. vous avez rien entendu? C'était sûrement un pigeon. Il leur voit de la rêve dans les limbes de leur rêve. Putain. Quoi? D'accord. C'est cryptage de ton message. Il envoie le blème pour lait. Moi j'ai compris, il envoie le blème dans le lumberlay. Je pense qu'il est grand temps de l'achever. Allez, c'est parti. On y va. Ce soir, on mange du crabe. Oh, bien joué. Et là, je te pète la capsule. Non, oh, mais là. Tu vas essayer l'impossible. Ok, ça c'est l'histoire de mon ami Bob. Regardez, il a commencé... Ça va être nul. Ouh, mais vas-y, parle, je t'en prie. C'est l'histoire de mon ami Bob. Il a commencé dans la jungle, ensuite il a voyagé en Alaska, et il a acheté une bouée, et après, il est devenu pirate. Et après, il est reparti dans la jungle. T'as fait après dans ton corps. J'ai jeté tous mes équipements. J'ai jeté tous mes équipements. Merde. Non, parfois, faut savoir une chose, c'est que le silence est parfois plus marrant que des rires. Les vibrations reviennent. Ah, elles sont arrêtées. Non, je. Mais arrête, abuse pas, je suis au même endroit. Non, je rigole, je les entends à mort. Booster, t'es dégueulasse, merde! Oh, tu me laisses pas le choix! Oh. Ça arrive à tout le monde, bâtard! Je prends des mesures, c'est tout! Quoi, oui, bah quoi, j'ai pas le choix, non, merde! Hop, je grimpe sur toi! Wesh, Bankino, qu'est-ce que t'as fait? Je veux venir aussi, je suis de la fête! Vas-y, accélère, pour voir, avance, pour voir. Oh, ça marche! Ça marche! Ça marche! Ça marche! Viens avec moi! Allez, direction le point C, ma gueule! Allez, une à canon, les gars, amenez-le vers là, j'ai le canon, je peux lui tirer dessus. Ah bah oui, grave, on la tire. Attends, on fait diversion, les gars, on est les appâts, ok? Tire-le! Eh oh, ici! Eh, connard, viens là! On part là, fils de pute! Eh, on est là, you! Oh, je peux lui tirer dessus! Vas-y, tire-le dessus! Allume-le! Allume-le, bébé! Vas-y! Allez, la grosse charge! Tire-le dessus! Oula, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai aucune envie de tomber dans ce gouffre sans fin. Oh, je t'ai douillé, Canigou. Mais non, merde! Mais non! Canigou! Wassim, t'en es où dans Minecamp? Je suis au chapitre 4, page 50. Ah, d'accord, ok. Oh, ravi de le savoir. Mais sinon, vous êtes plus Staline ou Mussolini, vous? Ah, plus Goebbels. Oh, c'est un choix comme un autre, après. Je... Ah, oui, qui oui, suis-je oui, pour critiquer, hein, voilà. Bah, après, il y a Fidel Castro aussi. Faut pas oublier ça. Ouais, non, bah c'est plus vieux. C'était encore un morveux à cette époque-là, Castro. Un morveux? Il mangeait ses crottes de nez à cette époque-là. Il mangeait sa merde à cette époque-là. Il mettait encore des chaussures à scratch. Je vous accueille sur mon humble chaîne YouTube. Vous cliquez sur la vidéo. Et vous ne mettez même pas le plein écran. C'est un manque de respect total. Un culo bastardo. Puta madre. Allez, à la flotte. Bon écoute, relax, tu vas t'en sortir, nos problèmes. Le truc c'est juste qu'il faut que tu...
évite les crocodiles. Moi, Gangnark, moi, venir en paix, voilà. Je connais des super salons pour faire des séances d'UV, ça te ferait pas de mal. Hein. Si tu veux, je t'en conseille un et... On peut parler au moins. Wow. Oh, excite. Oh, tu m'excites. Vas-y, à l'escalier, vas-y, l'escalier, l'escalier. Vanne de fils de pute. Pour cette vanne, t'auras pris un coup de biche. Bien joué, mais c'était pas une vanne. Non, ce que j'ai dit, l'excite, tu m'excites. Ah, d'accord. Tu méritais un coup de biche, du coup. Un coup de biche. C'est ce que j'ai dit, oui, c'est ce que j'ai vraiment dit. Vraiment un blédard, putain de merde. C'est moi qui l'a dit, mais oh, tu remets un autre coup de biche. Tu la vois, celle-là. Tu la vois, celle-là. Bon, écoutez. Le mec, il fait du bruit pendant que je parle. Mais pourquoi il y a une pastèque, là? C'est la mienne. C'est ma pastèque de compagnie. Excusez-moi. Tu peux la ranger, s'il te plaît? Ah oui. Des trucs de compagnie nul, quoi. Oh mais petit chien, faut que tu retrouves ton maître. C'est pas très sûr dans la rue de nos jours. Bah voilà, oui, grave, t'as pas autre... Oh, le fils de pute! Non! Non, espèce de bâtard! Espèce d'enculé! C'est un super moment artistique qu'on voit en ce moment. On a bien bossé la Corée, mec. La Corée du Sud ou la Corée du Nord? La Corée de l'Est, personne n'en parle jamais. Et celle de l'Ouest, bordel, t'y penses? Lol. Et toi, t'es vraiment un joueur Call of, hein, putain, mais... Ouais, I will not cover me! Oh non, qu'est-ce que c'est? C'était sûrement un précurseur ancestral. Ouais. On dirait un... Bah les couilles. Yo, yo, un, yeah, pour tous mes raps de Noël. Yo, yo, je kick, yo. Oh, je reste... Wow, doucement, wow, putain. Sacré joujou. Yeah, wouhou. Tirez sur la cible. Ouais, attends, est-ce que je peux me tirer sur moi déjà? Oh, ouais, je peux. Ça fait quoi si je me tire? Eh les gars, venez dans la salle du bien avec Gangnou et moi, on est là. On est là. Oh, venez, c'est la salle du bien. Eh les gars, si vous voulez être en sécurité, venez dans notre club à moi et Gangnou. Le Feel Good Club, approchez le Feel Good Club. Pour tous ceux qui sont innocents, c'est le club du bien, entrez-y, vous y serez bien. Fred, vas-y. Gangnou, on joue aux cartes? Ouais, tiens, je vais le faire. As de pique, j'ai gagné. Vas-y, je te balance en roi. Quinte de floche, fils de pute. Merde! Oh! On va se fight à main nue, mon ami. Si tu gagnes, t'auras du coup trouvé tout le monde et t'auras gagné ce cache-cache. Si je gagne... Arrête! Merde. On sait pas tout, mais on se fait un peu chier ici. R4, mets un peu de son, s'il te plaît. Bon les gars, on attaque sur l'overtop, au niveau de la gauche, enfin de la droite. Attention, check out, cover me. Après cette partie de MOBA, on se fait un donjon et le dragon. Ta gueule, suis-moi. Allez, on va mettre la cassette, on va quitter un peu cette réalité, on va s'évader quelque part, le temps d'un instant. Une VHS familiale. Je porte un masque. Derrière mon sourire se cache des larmes, un torrent de larmes. Bon, trop de fion, je relance. Écoute, Jackson. Ta gueule. Attends, tu sais ce qu'il faut visualiser? Ouais. Imagine-toi que ce mec là-bas, là, oui, je parle de lui. Le mec là-bas, là, c'est comme la broche au Kevin. Attends, je me le fais, j'ai qu'une envie, c'est de faire ça depuis tout à l'heure. Attention, écoutez le bruit. Ça a pas fait splash, ça a fait... Non, mais vas-y. Oh, va niquer ta mère, hein, dégage. Avec sa couleur beurre, là.
On sent toute ton œuvre dans ce tableau. On sent que t'as voulu exprimer. On sent la critique de la société capitaliste au bord du gouffre. Absolument, absolument. On sent vraiment cette émanation de force et de puissance que t'as voulu représenter. Et rien que pour ça, je te respecte, vieux. Merci. Parce que c'est absolument ce que j'ai voulu démontrer. Oh, déjà, il parle mal à son éléphant. Ils ont une grosse tête, je crois. Ils ont des oreilles. Ils ont combien de pattes? 4. Mais 4, mais ouais. Oh, putain. C'est un turc. Il y a une autoroute à la place des sourcils. C'est un turc, il a dit. Voici mon éléphant. Je sais, une trompe, un putain d'éléphant. Ah oui, merde. Tu me vois là? Ouais, je te vois, ouais. Eh bah, j'arrive. Wow, le mec, il a déjà sorti le wingsuit, quoi. Oh. Oh, le paillasson, quoi. Attends. Ok, rejoins-moi sur la montgolfière, vas-y, je suis dessus. Le menu. Il crie dans les Alpes, tout le monde l'entend. C'est le menu qui le rend fou, en fait. Ah. Arrête, tout le monde t'entend, vieux. Fais chier, le menu, me casse les couilles. Je suis là, je suis avec toi, enfin, putain de bordel de merde. Ouais, par contre, il y a un connard qui nous a rejoint, là. Eh. Oh, un panda qui fait... Oh. Vous êtes actuellement sur la ligne du téléphone rose. Pour contacter Vanessa, tapez 1. Pour contacter extrêmement Jessica, bien fait, voilà. Tapez ta gueule. Pour contacter... Carrément, Gantounou, tu sais que j'avais envie de te baiser un peu, là. Ah ouais. Wassim, c'est la couscous batata. Mais le commande. Mais le commande dans les batatas. Oh. T'as niqué les batatas. C'est quoi des batatas? Le babitou. Non, me touche. Hop. Ah, allez, allez, yes, c'est bon. Allez, première manche de gagner. Bon, d'accord, je t'épargne. C'était une blague. Si vous voulez gagner la Fortiesta, répondez à la question suivante. Suis-je un fils de pute? Réponse A. Oui. Non, réponse B. Ouais, réponse A, s'il vous plaît. On me dit que Ibra TV rentre sur le terrain et fait des acrobaties. Petite remarque plutôt pertinente, pourquoi les filets sont-ils verts? Ils sont pas verts. Ah si, ils sont verts. Ah, bah les miens sont verts. Je suis dans le public. C'est un gars du public. Ah si, si, ils sont verts. Mais non, on sait pas pourquoi, mais on l'entend bien, lui. Genre, il est où? Genre, il a chopé un micro, on sait pas où, et il part. Il a un micro-cravate, sans prévenir. Mon négociateur Wassim était trop incompétent, du coup je te l'ai envoyé à la mort. Je suis débarrassé de lui, c'est déjà une bonne chose. Bâtard. Ganguinou, t'es peut-être le tueur, hein. Ouais, bah mousse-toi, si tu l'étais, tu me le dis rien. Oui, oui. Avec ta gueule. Toi aussi, avec ta gueule. Oui, 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 je te le dirai. Oh. Oh. Technique toute simple. Comment t'as fait? Reviens. Oh, les bâtards, ils ont fermé. On est con. On voit la part, s'il vous plaît, j'arrive pas à le voir. Oh. Oh non, Wassim. C'est quoi ça, mais... Oh, il se transforme en poule. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ok, creuse, ok, on creuse, creuse des trous, 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 creuse des trous. Oh, Fred. Ils arrivent. Ils arrivent. Oh putain. Allez, porte, reviens-toi, s'il te plaît. Assure, reviens-toi. Ils sont tombés dans le trou. C'est ridicule. J'ai sorti la méga bicyclette, on va les avoir. C'est ridicule. Arrêtez-vous tout de suite! Tout le monde s'arrête! Oh les consanguins, je te jure! Ah, ça baisse sa sœur ici ou je m'y connais pas, hein! Mais je vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur! Oh le punk! Ouais, nique la société, je suis vénère! Oh, il a croisé son gars sûr! Ils viennent de deux milieux différents, mais. Mais ils sont potes quand même. Nous avons des goûts différents, mais sache que je t'apprécie pour ce que tu es, Destructos. Bon, ok, il y a eu un éclair divin chelou, et ça les a rendus aveugles apparemment. Jacques, peut-être un retour, un témoignage sur ce qui vient de se passer?
Ah, 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 ce sont ces mots, les mots de Jacques, qui témoignent d'une certaine douleur, visiblement. Michel, Michel, peut-être. Eh bien, ce sera un ah pour Michel. Vous me faites pas peur, t'as de con. Ok. Oh, grand-mère. Partaros. High kick. Oh, je lui ai mis un high kick dans le foie. Elle n'arrive plus à respirer. Allez. Yes. C'est bon, voilà. Oh. Quel était ton projet en venant ici? Non, mais attends. Moi, les screamers, je les laisse pas passer comme ça. C'est quoi le... Oh. Elle m'a mis un petit schlasse vite fait histoire de me dire... Calme-toi frère, calme-toi. Oh non, ils deviennent des zombies sauteurs. On invente une vie, le con. C'est notre ami, on va l'appeler Zombox. Il arrive que j'oublie nos valeurs, cela étant, je garde un pur cœur. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, comme moi j'ai fait là, vous avez vu les grosses escapades que j'ai faites là? Et ben. Ouais, parce que toi t'es trop un zouave. Ouais. C'est ma prof de français, elle me disait ça en 5ème. Et faut être con pour pas avoir pensé à tirer là, hein. C'est tellement évident de tirer là, putain. Là, non le flash, ah, get out, flash ta mère, ah. Get out. Transforme-toi, merde. Oh, mais c'est trop bien ça. Ah. Okay. Ça termine pas. Eh les gars, vas-y go. Il y en a un qui arrive, il descend les escaliers. Il descend, il est là. Non mais bouge pas. Il est là. Eh gros bâtard. Eh hey, gros bâtard! Hey, PD! Hey, PD! Je suis là! PD! On est là! Hey, PD, on est là! Hey, oh. Bâtard! Je suis là! PD! Allez, Ganguido, à ton tour! Eh, pour votre plus grand plaisir, mesdames et messieurs, attention, attention! Une roue! Tada! Le duo comique, la roue et Ganguinou, merci à tous, salut. Bah au pire tente le coup, hein, peut-être tu peux ne pas toucher l'eau avant d'y aller. Vas-y bah pousse-toi. Yeah. Oh. Bah non. Faut prendre juste là. Non c'est un jean ça, je vois pas ton jean. Oh, oh c'est pas ce bâtard. Wouh. Oh oui. My God. Salut. Salut Gizmo. Non non non. Meurs. Non pas la porte. Oh. 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 Carrément c'est moi l'homme qui frappe à la porte, voilà. Oh. Oh. Pétasse. Rolls Royce. Écoute, ce tricot là, Versace, c'est pas parce que j'ai des Louis Vuitton que je pète dans la soie, non. Je vois plus. Oh. Il te suit là, hein. Il te suit. Si tu demandais, il te suit. Hein. Oh oh oh. Mange ta mère. Aïe. Oh. Allez, graille ta mère. Oui, vas-y, cours. Je me connais pas, moi. J'ai eu 20 à mon examen de maths, connard. Je t'en remettrai une du con. Oh yes. Allez, y'a quoi? Brighton Billy, mon pote. Et j'ai eu 20 à l'examen de français aussi. Une fois j'ai écouté du Tupac. Et j'ai eu 1000 à l'examen de suédois. Oh. Connard. Y'a quoi maintenant? Mange ta mère. Y'a quoi? Dans ta grosse mère. Alors c'est ça la vie, Manny? Jamais tu ne mourras! Picoler, brûler, renifler! Hey Gizmo, je suis chasse avec la baguette magique qui s'est mis invisible. Non. Alors c'est ça la vie, Manny? Renifler, picoler, baiser! Sinon, personne veut une cool brise à 100$? La cool brise, tu l'auras dans le cul! Oh, une vitre, c'est que ça. Arrêtez. C'était pas dans les termes du contrat. Ah oh. I hate you.
crois que je vais faire un malaise. Mais toi, va te faire foutre, espèce de... Mais va te faire mettre... Ah ! Vous ne passerez pas ! Mettez vos déchets dans la poubelle bleue ! Oh, oh. Mais c'était très violent. Fermez la porte, voilà, c'est bien, comme ça je peux pas partir. Moi, j'ai qu'un indice à dire, les gars, regardez en l'air. C'est pas vrai, j'en sais rien. Viens, je crois que jamais tu fais. Attends, attends, Fred, viens, on te... Ok. Y'en a un qui a détruit un PC carrément. Petit bâtard. Ado ! Ado ! Ado ! Ado ! Quel... C'est bon. Fred, y'a des pansements, partez à des pansements, prends les pansements et mets-les-toi. Laissez les pansements à Fred. Sale bâtard, booster. Sale bâtard, booster. Merde ! Excuse-moi. Excuse-moi. Oups, mais toi, tu mets des mots. Obsolète. Obsolète. Bob. Bob. Oh, ouais. Il va chercher son obsolète. Moi, je me rappelle avec Bob. C'est parti, let's go. Tu veux jouer ? Alors ? Tu veux jouer ? Mais quelle est cette technologie précurseur ? Est-ce qu'on peut prendre un selfie avec ça ? Le mec trop con, putain. Ok. Ça va être chaud. Let's go ! Ok, ok, t'es le meilleur ! T'es le meilleur ! T'es le meilleur ! Oh ! Oh ! Wouhou ! Yeah, baby! Eh, hey, qu'aperçois-je là-bas? Ne serait-ce pas des rageux? Bah, approchez-vous, vas-y, tiens, allez, ouais, monstres. Oh! Ah, y'en a dans le sous capot. Hein. Le mec, il pue la merde. Je te suis, Coolster. Ils se sont fait enculer, les deux. Coolster? Free. Celle-là, c'est pour tous les gars de la 501ème et pour Pépérico de la 23ème Il est mort. Regarde ta tête, tu ressembles à rien, on dirait un Velux. C'est celui qui dit qui est. Elle se la pète trop, cette connasse. De toute façon, je trouve qu'elle est beaucoup trop hyper sexualisée à cause d'Hollywood et toutes ces putains de grosses machines capitalistes qui ne cherchent qu'à endoctriner la jeunesse dans un mouvement prolétaire. Mais elles sont bonnes en attendant. Mais elles sont bonnes. Oui. Oh, le rire. Il rigole à des moments, c'est pas drôle. C'est un film à gros budget. Le scénario d'une profondeur incroyable, les dialogues finement écrits. La mise en scène est tellement soignée. Ah, le jeu d'acteur, l'acting de Mohamed El Sabah. Qui nous livre une prestation digne de Marlon Brando. Il va faire quoi, Mohamed ? C'est une métaphore, c'est une métaphore de la société qui ne fonctionne plus correctement, vous allez voir. Il va tomber. Chut, booster. Fils de pute. Je suis très bien là, moi aussi. Il a dit fils de pute dans l'oreille.